Salut à tous, c'est Fabkick et comme je vous avais promis, tant que je n'irai pas à la ceinture champion du monde, ben bien sûr je vous montrerai les meilleurs combats que je peux proposer, du moins qui me font plaisir. Là comme là, c'est la toute première fois que je vais catcher contre John Cena, donc je voulais vous faire partager. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues du tout, mais j'irai quand même jusque la ceinture et après j'arrête, promis. Mais là, pour l'instant, ce match-là, fallait que je vous partage, vu que c'est la première fois que je vais catcher contre Mr. John Cena. Donc voilà. Et juste avant cette vidéo qui va arriver sur ma chaîne, j'ai posté une vidéo sur GTA, les gars. Par contre, regardez bien l'astuce, pensez pas à l'argent sur place, pensez au long terme. Elle est là, l'astuce. Donc juste avant celle-là, il y a une vidéo qui va arriver sur pour les débutants GTA Online, pour avoir de l'argent à l'infini, mais calculer à l'heure, faut pas calculer sur le coup combien vous allez avoir, c'est à long terme malheureusement. Et en attendant, malheureusement, on est sur le WWE 2K17, donc autant profiter de ce match. Et lâchez-moi des pouces, s'il vous plaît, jusqu'à temps que j'aille jusque la ceinture. Mettez-moi des vues, partagez si vous aimez. Franchement, ça me fera extrêmement plaisir, croyez-moi. En attendant, bah, je vous laisse profiter de ce match. Comme moi, je vais en profiter, croyez-moi. Donc voilà, c'est la toute première fois que je vais catcher contre ce gars-là depuis que j'ai ce jeu. Donc fallait bien se douter que j'allais passer par lui pour arriver à la ceinture champion du monde. Bon, on va voir si je vais faire le poids. En tout cas, il fait la gueule. Waouh. Bref. Bon allez, c'est parti, bon match. Faut être honnête, pendant toute sa carrière il a tout le temps encaissé et c'est à la fin, il fait deux prises et il gagne. Et je sais pas comment il fait, mais bon. Donc je serais pas étonné que je perde. Je me doutais que ça serait pas évident, c'est pour ça que je l'ai posté. Well, John Cena may like to play the squeaky clean all-American boy as we said, but don't think he won't fight fire with fire when an opponent tries to stoop to some down and dirty tactics. John Cena prefers a good clean match in that ring, but don't get confused. He's fine if the match turns into a street fight. Oh, check that out. We have a first here this evening. And that was awesome. That was an absolutely incredible move. On sait jamais. There's not a person in this arena who thought that was une tente rien à rien. This guy's too strong. This guy's too powerful. I remember plenty of John Cena contests. Good lord, did you see that? Oh man, Michael, that was some shot. Cena's got
set the tone for the evening. I like it. He's taking some offense. With these two guys, we all knew this was going to be an all-out battle. I tell you, we knew this was going to be a close affair, but I don't think we expected it to be this tight. What a match. And on top of that, John, these two guys couldn't be any more evenly matched at this point. Oh, the reversal by John Cena. If his back wasn't hurt before, it certainly is now. Yeah, and it's going to be hurting for a while. There's a punch worthy of the greatest heavyweights of the time. Yeah, that looked like a Mike Tyson or Muhammad Ali shot. I don't like how slow he is to react right now. He's on the defensive here. I fully expect him to bounce back, though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. This guy's fine. Don't worry about it. Il faut pas le laisser le temps qu'il nous attrape, c'est pour ça que je spam. Comme ça, il n'y a pas le temps de m'attraper. Ça va être chaud, je l'avoue. On innove. Tu essaies de l'avoir quand même. Taking a bit of a beating so far, but nothing that can't be overcome. Voilà, ça c'est fait. Bon, a priori, il est faisable. Enfin, il est battable, du moins. Parce que là, j'espère le finir. C'est quoi que c'est quoi là? Non, j'ai même pas vu arriver. Je ne peux rien dire. Wow, il est vénère le gars. Ah, t'as raté ta revanche. Oh, merde. Tiens, sinon, cadeau. Bon, logiquement, là, faut être honnête, si je gagne pas là, il y a un problème. Appalling, if you ask me. Totally disrespectful.
Et c'est pour ça qu'il faut pas courir avec le personnage, parce que sinon, après, si vous courez beaucoup, bah, le personnage ne tiendra pas sur la longueur. Donc, vaut mieux prendre son temps. Voilà, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi, j'avoue. Même moi, j'avoue. Voilà. Je vais me rattraper. Je suis gentil, je te ramène sur le ring. Ah non, excuse. Ça va se finir dehors malheureusement. Oh non, je voulais pas ça. Vite, 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 vite. Tout juste. Finir un match comme ça, non, c'est pas moi ça. Ça fera passer une petite après-midi pour certaines personnes, et moi ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Même si je sais qu'il n'y a pas tellement de vues, malheureusement on m'attend que sur du GTA. Mais bon, j'adore le catch, donc je le partage. Mais à la Sature, j'arrête. Comme j'arrête pas de le dire, je le redirai jusque la fin. Mais à la Sature, j'arrête. Par contre, lui aussi, je crois que faut que j'arrête, parce qu'il n'y en peut plus. Pauvre Sino. Voilà. Bon bah c'était... Ça va. Je mérite d'aller à la Sature, je pense. J'espère que ce petit match... Bah moi je pense à qui allait se défendre plus. Bah que ce petit match vous aura plu. Et bah, je sais qu'il n'y a pas de commentaires sur le cas, donc je peux pas vous demander si vous en voulez ou pas. Mais malheureusement, j'irai jusque là, Saturne, désolé. Tant pis. Et voilà quoi. Bon, je vais quand même le finir vite fait, après le match, bien sûr. Ma petite marque de fabrique, si possible. Même si j'apprécie le catcheur, attention. Hein. Bon là c'est un jeu hein. Ah, le pauvre. Attends, je vais m'occuper de ton cas. Par contre j'ai une note d'un coup spécial. Donc
Oh le pauvre. Bon, voilà. Ça c'est ma petite marque de fabrique. Voilà. Bon, j'essaie de faire, de proposer de beaux matchs. De toute façon, quand je poste un match, franchement, les trois quarts du temps, il est pas mal. Déjà, le match, je le fais directement avec vous. Ah, je veux dire, c'est comme si je le faisais en direct, puisque je peux pas le refaire. À moins que je perde, mais non, tout à l'heure, j'ai perdu. Bah non, c'est comme ça, j'ai perdu. Je vais pas relancer le jeu parce que j'ai perdu. Mon but, c'est pas tout le temps de gagner. Si je perds, je perds. Donc voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que ce petit match vous a plu. Moi, je vais vous le partager. Ensuite, bah, je sais que j'aurai pas tellement de vues, mais si possible, pour ceux qui aiment le catch, bah, pourquoi pas partager, leur faire leur montrer ce que je sais faire. Après, je dis pas que je suis un vrac, hein, mais je parle en mode carrière, bien sûr. Et voilà, ça peut rapporter quelques vues de plus, ça me ferait plaisir. Et promis, à la ceinture champion du monde, j'espère avoir pas plus de vues, puisque j'arrête pas d'en parler. Et voilà. Donc bah, sur ce, je vous laisse. C'était Fab Kick sur le catch. Et bah, je vous souhaite une très très bonne après-midi. Et les vidéos seront postées récemment. Donc sur ce, je vous laisse et à bientôt. A plus.